Bonjour Michel Simès et merci de soutenir SOS Autisme France et de participer à cette campagne. Alors la première question que j'aimerais te poser, comment toi en tant que médecin tu définirais l'autisme? Moi j'aime bien définir les choses très simplement en médecine parce que c'est toujours très compliqué la santé, la médecine, les maladies, les problèmes de développement, tout ça. Je pense que moi pour moi l'autisme quand j'en parle le plus simplement c'est de dire qu'il y a un moment, un trouble du développement dans le relationnel, la communication avec l'autre. Et voilà, et le faire le plus simplement possible. Alors bien évidemment, à chaque fois qu'on parle de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui ne se développe pas normalement, il y a tous les stades possibles. Hein, on a des troubles de la communication qui ne rentrent pas dans le cadre de l'autisme, d'autres qui peuvent aller jusqu'à l'autisme et qui font que la vie avec l'autre peut être difficile et en tout cas nécessite des adaptations. Voilà. Moi, ma définition la plus simple de l'autisme, c'est ça, pour ne pas rentrer dans la grande maladie psychiatrique ou je ne sais quelle. Alors, est-ce que tu trouves que les médecins, parce qu'il y a très très peu d'heures quand on fait des études de médecine par rapport à l'autisme, est-ce que tu trouves que les médecins sont aujourd'hui suffisamment formés, que ce soit les médecins, les pédiatres, les généralistes, les dentistes? Parce que pour nous, famille d'enfants autistes, quand on va chez le dentiste ou quand on va chez un généraliste, ça peut être une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils peuvent être tellement ignorants sur l'autisme qu'ils font tous les mauvais gestes. Donc, comment on pourrait faire pour vraiment sensibiliser, on va dire, les médecins? Je pense que le problème de l'autisme et le problème qu'ont les médecins, et dont je fais partie, hein, je me mets dans le milieu, par rapport aux choses qu'on ne connaît pas bien parce qu'on ne nous les a pas enseignées suffisamment. Et encore plus parce qu'on est dans le domaine de la psychiatrie. Et que, alors pourquoi c'est dans le domaine de la psychiatrie? Parce qu'on considère que c'est psychiatrique, mais pourtant à l'étranger, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Mais pour le médecin français, on est dans le domaine de la psychiatrie. D'accord. Parce que ça doit être un trouble du développement. On assimile beaucoup en France, mais par méconnaissance et par non-formation, déficience mentale et autisme. Et je sais que on se bat dans l'entourage des autistes pour expliquer que qu'on n'est pas dans une maladie psychiatrique, qu'on n'est pas dans tout ça. Mais pour les gens, c'est ça. Et tu prends l'exemple du dentiste, voir un enfant qui n'a aucun trouble du développement, qui n'a pas de problème du tout, qui va chez le dentiste, déjà, il faut l'attacher, il faut le prévenir, c'est déjà très compliqué. Les adultes qui ont peur du dentiste. Oui, les adultes ont peur du dentiste. C'est pour ça qu'il y a des dentistes qui sont assez forts et assez intelligents pour avoir créé des consultations spécialisées dans l'enfant. Il y a des pédodentistes qui ont un environnement rassurant. Mais quand un enfant qui est touché par l'autisme vient et qui va nécessiter un peu plus d'attention, un peu plus de doigté, un peu plus de temps, et ben voilà, ça fait peur à tout le monde parce que c'est un manque de formation, de connaissances. Alors comment les former, comment mieux les informer, ben, c'est le rôle. Le médecin, on ne lui impose pas la formation aujourd'hui. Le médecin doit aller vers la formation, même si la formation continue, c'est théorique, pour marquer des points, mais c'est pas. Je pense que c'est au médecin de s'intéresser, et je crois qu'à partir du moment où un médecin a dans son environnement, dans sa patientèle, dans ses patients, un enfant autiste, eh ben, il va commencer à s'enseigner là-dessus. Et c'est souvent comme ça qu'on avance en médecine. Moi, quand je reçois en consultation des patients qui viennent avec un syndrome que je ne connaissais pas, parce que c'est compliqué, parce que je ne l'avais pas appris, ben, il sort de là et je vais me former. Je vais apprendre ce syndrome. Et ce qui fait que la prochaine fois, quand j'en verrai un autre, ben, je saurai quoi faire. Alors, tu as fait beaucoup d'émissions sur la méthode Feuerstein. Alors, peu importe les méthodes, qu'elles soient ABA, Feuerstein, Canovan, Sunrise, il y en a plein. Moi, personnellement, je m'en fous. Du moment que ça fasse avancer l'enfant, peu importe la méthode qu'on utilise, surtout qu'elles sont très bien à certains âges, et puis par rapport au niveau de l'enfant, etc., on s'adapte. Donc ça, peu importe. Mais tu es le seul quand même à avoir fait des émissions dans ton magazine de la santé sur cette méthode Feuerstein. Alors pourquoi il y a une telle résistance quand même à cette méthode? Puisque tu es quand même le seul à en parler. On sait que ça marche, puisque moi, mon fils, ça a marché sur lui, mais je suis allée là-bas et j'ai vu que des milliers d'enfants étaient sauvés. La raison simple, c'est que, en particulier dans le milieu de l'autisme, quand je dis le milieu, c'est les familles, les médecins, les spécialistes, il y a tellement de chapelles, il y a tellement de religions dans le sens où chacun pense que sa méthode est meilleure qu'une autre, que
ça finit par être contre-productif. Et on le voit dans pas mal de domaines, mais dans l'autisme en particulier. Moi, j'ai été frappé, ça fait des années qu'on parle de l'autisme. Il y a tellement de méthodes que certains considèrent comme alternatives, d'autres comme salvatrices, et c'est le cas de ton enfant, qu'on finit par se paraître complètement paumé. Et je pense que si les médecins ont du mal avec cette maladie, ont du mal à intégrer, enfin avec ce trouble du développement, ont du mal à intégrer l'autisme, c'est aussi parce qu'ils ont du mal à intégrer ce qu'on peut faire avec un enfant. Il suffirait que des médecins quand même qui s'intéressent à tout ça prennent un billet d'avion pour voir ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, ils sont intégrés, les enfants autistes, parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils suivent ces méthodes de stimulation, et en plus, que les écoles sont ouvertes, et du coup, je pense que les pédiatres, ou les neuropédiatres, ou les pédopsychiatres, ou tous ceux qui s'intéressent à l'autisme, doivent connaître ces méthodes. Mais si tu parles de médecins généralistes, qui malheureusement ne peuvent pas tout savoir, si tu parles des médias, je pense que les médias, nous on est une émission médicale, une émission de santé dans laquelle on traite plein de sujets, donc on a de la place pour traiter les différentes méthodes, et on l'a fait sur l'autisme, mais les autres médias ne comprennent pas. Je crois qu'il y a un vrai problème d'explication, de compréhension de ce qu'est l'autisme et de ce que sont les méthodes, et que c'est incompréhensible. Même pour nous, on a parfois du mal à se faire une idée de... Parce que si chacun va inventer sa nouvelle méthode, comment savoir si c'est une vraie méthode intéressante? On avait fait la Feuchtein parce qu'on s'est renseigné, parce qu'on savait que c'était efficace, mais tous les jours on reçoit des lettres de gens qui nous disent « Moi j'ai un enfant autiste, tiens j'ai cette méthode-là qui est extraordinaire. » On dit « Comment on fait pour faire le tri ?» Alors que nous on est une émission spécialisée. Mais le résultat de quoi? Si quelqu'un nous dit « Cette méthode est efficace sur mon enfant, c'est un résultat sur un enfant. » Bien sûr, il faudrait que tu viennes voir ce que je reçois. Comme courrier sur les gens qui disent moi cette méthode elle est meilleure que l'autre, la méthode ABA je suis contre, la méthode machin je suis pour, etc. De toute façon ce sont toutes les méthodes éducatives et cognitives qui de toute façon avec des petites différences ce sont les mêmes puisque c'est la stimulation du langage, on se sert de l'orthophonie, on se sert du jeu, on se sert de la médiation, donc finalement au bout du compte ça se ressemble. Ce qui est important, c'est de s'en occuper, de mettre. Et de pas les mettre. Puis de rendre ces méthodes accessibles aux parents, parce que la plupart des familles vivent dans une grande précarité, parce qu'une prise en charge d'un enfant autiste, quand on a envie qu'il suive ces méthodes, quand on a envie de le mettre chez les psychomotriciens, chez une psychologue, peu importe, ABA, Feuerstein ou autre, ça coûte 3000 euros par mois. Et ça, si on est seul à s'occuper de son enfant, on vit dans la précarité. Et on ne parle que des enfants. Et le drame, quand l'enfant passe à l'âge adulte, oui, c'est terminé. Où il n'y a plus rien. Et ça, c'est. Voilà. Et je pense que c'est la France. La France est catastrophiquement en retard. Donc, le but, si tu veux, de notre campagne, c'est justement de s'occuper de ceux qui sont autistes et qui sont tout petits, pour justement les rendre autonomes, pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour la société. Quand les parents sont plus. Voilà, parce que nous, la crainte de chaque parent d'enfant autiste, c'est qu'il nous arrive quelque chose, c'est de laisser notre enfant tout seul. Donc c'est la crainte, et aujourd'hui c'est de les rendre autonomes pour que justement ils puissent avoir une famille, être heureux, travailler, c'est tout ce qui compte. Et ils ont des droits, et le fait de ne pas aller à l'école, le fait d'être privé de musique, d'être privé de conservatoire... Mais je comprends le but de cette campagne, et c'est extraordinaire de pouvoir la faire. Maintenant, il va falloir motiver les médecins, pour d'abord qu'il n'y ait pas des retards au diagnostic, comme il peut y avoir. Il est inadmissible qu'en France, les parents d'enfants autistes soient obligés d'aller à l'étranger. Enfin, je veux dire, on est à plus de 60 millions de personnes. Je crois que c'est un truc qui est quand même hallucinant. On a une des meilleures médecines du monde, et les parents d'enfants autistes, et je le sais, j'ai une amie proche qui a un enfant autiste, qui est un adulte maintenant, qui galère depuis des années, qui sont obligés d'aller en Belgique, en Suisse, ailleurs. Ça, c'est voilà, quand on a beaucoup d'argent, c'est peut-être facile, mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est, tu as une idée du chiffre des enfants autistes? Non. 600 000 personnes. Bah, j'ai dit, 200 000 enfants. 200 000 enfants. Et encore, c'est des chiffres d'il y a quelques années. Donc, justement, c'est la dernière question que je voulais te poser. Le fait, parce que certains parlent d'épidémie d'autisme, est-ce que tu penses que voilà, ce
qu'on avale, ce qu'on mange, les vaccins, le mercure, le gluten, de l'environnement, a un impact sur la santé ou pas? Non, c'est l'histoire de gluten, de vaccins, franchement, c'est un truc, si tu veux mériter, on peut en parler pendant des heures. Donc tu penses que l'autisme, c'est autre chose, c'est génétique, c'est... Je sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne vais pas, moi, Michel Simès, t'expliquer ce que, non, ce que les autres ne savent pas expliquer. Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a... C'est multifactoriel. C'est un trouble du développement. Et quand on a un trouble du développement, c'est qu'à un moment, il s'est passé quelque chose qui est un facteur de prédisposition génétique accentué par un environnement ou un facteur environnemental. C'est possible. Mais je n'en sais strictement rien. Et en tout cas, toutes ces histoires de gluten, de machin, enfin si tous les gens qui mangeaient du gluten augmentaient leur risque d'être autiste, enfin ça ferait du monde quand même. Hein. Donc moi je, franchement, toutes ces hypothèses sur l'alimentation, je n'y crois pas. Mais en même temps, je ne suis pas spécialiste. Je suis pas autistologue et je suis pas spécialiste. On parle du gluten, de machin, dans tellement de choses, que c'est le lait par exemple qui nous rendrait malade, que les vaccins nous rendent malade. Après, c'est vrai que ce sont des enfants qui ont beaucoup de problèmes d'estomac. Non, mais c'est autre chose. Voilà. C'est autre chose. Donc, voilà, c'est autre chose. Ça peut être peut-être partie d'un ensemble, d'un syndrome, sûr, avec un problème du développement, lié aussi au problème de développement ailleurs, etc. Je ne suis pas très renseignée. En tout cas, toi qui es un mec ouvert, voilà, j'étais contente de t'avoir avec nous dans cette campagne, parce que je sais que tu acceptes la différence, que la différence ne te gêne pas. Et voilà, je suis heureuse que tu portes notre bannière de la société de France. Ben, c'est genre, merci, en tout cas je suis très très fier que tu m'aies demandé et je ne me voyais pas refuser de participer à cette campagne, mais je crois qu'il faut très franchement essayer de faire évoluer un petit peu les mentalités sur cette maladie. Le grand public, c'est encore quelque chose de très difficile parce qu'on a l'impression quand on voit un enfant autiste qui voit, je ne sais pas, une sorte de sorcellerie, je ne sais pas, il y a des choses qui sont... Soit un déficient mental, soit un brain man. Voilà, soit un truc complètement irrationnel.